Salut petit Galaxia, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on finit la vidéo Lego. Non, c'était pas ça le titre. C'est quoi le titre, lutin de merde? Montage des Lego Ninjago. Voilà, montage des Lego Ninjago avec Ryan. J'ai envie de dormir, donc si t'as pas envie de faire la vidéo, on la fait pas. Regardez ma petite moto en gomme. Petite moto gomme. Mais ils s'en foutent, ils veulent voir la vidéo Ninjago. Ils attendent l'épisode 2. Mettez des likes pour l'épisode 2, lutin de merde. Alors, dans l'épisode précédent, je vous avais monté tout ça. Voilà. Bienvenue, j'ai arraché un muscle. Alors, je pensais que Ryan l'aurait fait, ce montage en Lego. Mais en fait, j'ai envie de parler. Mais ça l'intéresse pas, donc voilà. Tu peux aller chercher la boîte pour montrer aux abonnés, s'il te plaît. Là, on va faire tout ça dans cet épisode-là. On a toujours la petite notice, bien sûr. Voilà ce qu'on monte là. La boîte, tu l'as jetée, hein. Non, je n'ai pas jeté la boîte. Elle est plus là. Bon, allez, au montage direct. Voilà, donc en fait, c'est papa qui fait le montage. Ninjago, il y a un très beau petit plan. Je ne me dis pas qu'on n'avait pas marqué la page. Ah, heureusement, on avait utilisé le marque-page. Alors, on n'y voit rien du tout en cette période d'hiver. C'est extrêmement désagréable pour tous les gens qui vivent en France métropolitaine. Est-ce que vous aussi, vous souffrez du manque de luminosité? Regardez, on est blanc comme des culs. On ne voit pas le soleil. Il y en a ras-le-bol. Et on vit dans le noir. Parce que même si j'ai la lumière au-dessus, on est quand même dans le noir. Au niveau de la luminosité extérieure, c'est zéro. Alors, bonjour à tous les gens qui nous regardent de l'île de la Réunion. Miam zot tout. Crête d'or, vous avez beaucoup de chance d'être à l'île de la Réunion. Vraiment, appréciez la chance que vous avez. Parce que je vous promets qu'en France métropolitaine, c'est très, 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 très dur. Je ne me suis pas baigné dans l'océan Indien depuis très longtemps. À cause de, vous savez, hein, tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Franchement, ça fait 2 ou 3 ans que je n'ai pas été à l'île de la Réunion. Je vais serrer, les amis. Je vais finir par serrer, je vous promets. En métropole, je vais serrer. Heureusement qu'on a les Lego. Je ne comprends rien au plan. Tu veux pas venir m'aider, Ryan? Ah oui, c'est ça. Le plan, là, j'y comprends rien. Eh ben ouais, je suis avec les abonnés, là. Non, toi tu regardes la salle. Bienvenue à la salle. Salut à tous, c'est la salle. La salle de sport, la salle de ping-pong, la salle de muscu, la salle à manger. Désabonnez-vous de la salle. Non, zéro. Abonnez-vous. Désabonnez-vous. Les abonnés sont pas là pour te voir faire le pitre. Alors ça, c'est quoi? Voilà, montre aux abonnés. Ça va où, ça? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est ça? Bon, allez, ne m'aide pas, je me débrouille. Oh. Il en manque, là, non? Non, ça, il y a ça. Papa? Oui, mon bébé. Il manque quelque chose, ici. Quoi? Là, il y avait un truc comme ça, et il manque un truc. C'est pas vrai, il est où? Ryan, si t'as fait un prank, c'est pas drôle. Tu passes devant la caméra, voilà, on voit ses grosses fesses devant la caméra, mais c'est une blague! Mais tu vois pas qu'on est en train de filmer? Mais j'en peux plus de toi! Tu veux devenir un grand youtubeur ou pas? Aide-moi à trouver ça! Mais montre, c'est quoi? Ça, je cherche ça, là. Ça, cette pièce-là. Alors, elle est où? Bon, on coupera pas au montage. Non, j'en ai marre de lui, on coupera pas au montage. Il va se taper là. Tu peux être triste. On est en train de faire un montage Lego, tu t'appliques pas. Donc, on fait comment? Voilà. Il y a une pièce qui a disparu, donc. Là, lutin de merde! Ça! Ouh, pinaise! Bon, pour résumer, je me retrouve tout seul à faire le montage Lego. J'ai trouvé des petites pièces.
Ah, c'est un jeu de patience, hein, je te jure. Hein. La vérité. Ah, c'est une mission. Hein. Franchement, je gère en Lego. J'avoue, je gère. Voilà. Oh oui. Oh oui. Mais non, je me suis trompé. C'est comme ça, voilà. Et ouais. Ouh. C'est bien comme le plan, là. Voilà. Ouais. Voilà, ces petits autocollants-là, les abonnés. Oui. C'est Ryan qui filme. Ouais. On va aller les mettre comme ça. Voilà. Tu montres bien la caméra, chérie. La schtroumpf, la. On chante pas les schtroumpfs là, on est concentré sur notre vidéo. Mais c'est quoi le refrain de Ninjago? Voilà. Pas mal, non? Ouais, pas mal. Bon, je vais mettre le deuxième. Voilà. Voilà, Gros turbo. j'ai posé ça là. Voilà. Allez, on continue la famille. Tintin. On cherche ça, ça et ça. Bon, ça doit être là-dedans. Voilà. On attaque la partie 3 avec ce petit bonhomme là. Vous le connaissez celui-là? Tintin. On dirait que c'est un méchant quand même, hein, dans Ninjago. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Bon, alors après. Ok. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà tous mes petits persos, donc ça c'est cool. J'avoue. Bon, les amis, on a ouvert le troisième sachet. On a trouvé les roues dans le troisième sachet. Voilà, petite gomme sympathique. On a trouvé, à mon avis, ça, c'est les gens Joliveurs qui vont sous l'eau, tu vois, un petit peu, vraiment le côté marin de ce bolide. Voilà, il y a tout ça, quoi. Et on commence par ça. Donc, on cherche ça et ça. J'ai hâte de le finir. Voilà, Voilà. donc on a fabriqué ça, là. Maintenant, on va mettre ça ici. Oh, c'est trop stylé! C'est trop Moi, stylé! j'avais pensé dans ma tête une vidéo. Attends, on dirait que ça rentre pas, lutin de merde. Non, tu mets à l'envers. Pas possible. Moi, j'avais une idée en tête comme vidéo. Sa mère la lutte! Ça rentre pas plus, hein. Je pense que c'est comme ça. Hein. Ouais. Ouais, les abonnés, dites-moi si c'est comme ça ou pas. Voilà, dans les commentaires pour ceux qui l'ont déjà monté. Bon, je m'étais trompé, j'ai rectifié. Quand je vous dis qu'il faut du niveau, il y a du niveau. Waouh! Franchement, plus ça va, plus la pièce est belle, les amis. Franchement, c'est trop, trop stylé. Bon, les gars, on avance. Pas mal, hein? Et les petits bonhommes attendent, là. Ouais. Ryan! C'est beau, hein? Un mot à dire aux abonnés? Salut. Merci, papa, d'avoir fait le montage. Enfin, d'être en train de le finir. Moi, j'ai Non, mais un l'autre, il se truc. recoiffe, j'y crois pas, quoi. Non, mais moi, j'ai un plan en tête. Je vais créer le moto Squid Game. Mon père, il va monter sur le scooter et je vais dire un, trois soleils. S'il bouge avec son scooter, il est éliminé. D'accord, pourquoi pas. Bon, allez, on termine le montage. Ouais, on termine. Bon, je viens de mettre les petits pistolets là. Voilà. De l'autre côté aussi. Propre. Propre, propre, propre. Et on attaque les roues, les petites roues. On va mettre les jantes dans les roues. Pas très compliqué, mais sympa à faire. Hyper stylé. Ouais. Merci.
prends du sirop. Pas trop de sirop, Ryan. Le sucre. Putain de merde. J'ai pas mis trop. J'ai mis comme tu mets, à faire comme ça. C'est vrai, mon cœur. Tu as été raisonnable. Non, mais en fait, toi, tu te fous de moi. Bon, les gars, j'ai mis les roues. Pas mal. On va les mettre ça maintenant. Quoi ? Dès que je filme, Ryan il vient pour faire le clown. Pas pour aider à faire le montage. Comme ça devrait être, c'est quand même pour un plus de 8 ans. Non. Voilà, voilà, pour faire le beau. Je suis encore meilleur. Je suis encore meilleur avec la petite chaîne. Ouais, on va rajouter ça. Hein. Bon les gars, ça y est, j'ai fini cette petite maquette de Ninjago. Je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment un très très beau truc. Arrête de faire le clown, merci. Bienvenue à la salle. Il fait la salle. Qu'est-ce que un youtubeur qui s'appelle la salle. Ouais. C'est d'un ridicule. Est-ce que c'est un youtubeur qui fait des belles maquettes comme ça, hein, hein, non, hein, non. Ah, ah, ça fait mal le malin, hein. Presque les 1 million de vues. Pff, n'importe quoi. Et il fait des trucs GTA avec des. Avec bon, de, bref, moi, laisse-moi jouer avec mon Lego. De... C'est qui celui-là encore ? Lui, c'est son copain, il se lance des défis avec. Mais on les connaît pas, ils existent pas. Allez, moi, je mets mon petit bonhomme dans la voiture. Mais c'est pas ça. Est-ce que t'es content, Ryan ? Oui. Ben, montre aux abonnés que t'es content. Je suis trop content. Tu t'en fous en fait ? Mais montre bien aux abonnés, arrête de bouger, on peut même pas la filmer. Mais elle est stylée ou pas? En vrai, est-ce que c'est stylé en vrai? Oui ou non? Est-ce que c'est stylé en vrai, oui ou non? Ouais, c'est trop stylé. En plus, on va tester ça sous l'eau. Allez, on va tester ça sous l'eau les abonnés. Petit test en extérieur de ce jouet magnifique. Bah, c'est un bolide sous-marin de Ninjago. Hein. Lien dans la description. Allez voir. Oh, les abonnés, on va tester avec la flaque d'eau. Oh. Oh. Oh, au calme, au calme. Regardez quand on fait ça. Mais oui, je te l'ai dit, c'est un truc sous-marin. C'est un truc stylé, non? Trop stylé. Voilà. Yeah. Laisse-moi faire un petit travelling au calme. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais c'est fait pour les pauses. Quoi, pause? Voilà les petits caractères, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, un maximum de commentaires, à vous abonner à la chaîne de Caraxi. Et puis, qu'est-ce qu'on leur dit d'autre? Ben, abonnez-vous, c'est tout. Bon, en tout cas, ça lui fait plaisir. J'ai bien fait de le monter. À très bientôt. On vous embrasse. Ciao, ciao. Ryan.